Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur YouTube. Tout d'abord pour commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les messages de soutien, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Snapchat. Sachez-le, ça fait énormément plaisir et ça me donne l'énergie pour continuer et faire plus de vidéos. Non, vas-y, c'est bon, j'ai gravé. Sincèrement les amis, vous préférez quelle lunette? Celle-ci, celle-ci ou celle-ci? Alors? Yo tout le monde, c'est Madiz, aujourd'hui on se retrouve sur Rush of Blood sur PlayStation 4. La 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 chompe la la. Viens chomper encore. La 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 chompe la la. Ça te portera bonheur. Rabat aussi. Allez. Wata. Ok d'accord. Allez monte la porte. Ah mais comment on fait? Alors, d'habitude je bloque sur un Lego, mais là, ça va, ça va. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Gars, personne touche à mon territoire, j'ai dit. Ta gueule. Ok, obéissez à mes ordres. Ta gueule. Il y a encore quelqu'un? Ok, lui il est chaud. Coco. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? What? Oh, what? Allez, fais dodo mon enfant. Surprise, motherfucker. Non, je rigolais, ouais, je... Oh. Eh, qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, vas-y, viens. Ouais, sans couille, va, ouais. Putain, Lilo, je l'avais dit. Il a son tacos, le petit Romain, il a son tacos. Et oui, on peut applaudir. Ouais, franchement. Bravo. Voilà, c'est pas moi. Là, t'es mort, là. Ah non, c'est bon, la cinématique. Je touche pas, hein. Ok. Timothée a perdu sa jambe. Will Hunt, a promitent, in Team Ground. Toujours la même chose. Inside Park, no pride itself. As a charming recreational aware for families. Loa dingue. Pourquoi Matt Diz? Alors, tout simplement parce que Matty, ça ressemble à Matt Diz. Donc, j'ai Matt, ça a pas changé, c'est Matt. Et Diz, je trouvais que ça ressemblait à Tis. Du coup, j'ai un peu modifié le mot et je l'ai un peu transformé en Diz. Tu m'as compris. Donc, voilà pourquoi je m'appelle Matt Diz. À quand ta prochaine vidéo? Là maintenant. Yo tout le monde, c'est Matt Diz. Aujourd'hui on se retrouve pour Surprise, motherfucker. Ah non. Bah non, mais j'ai cru que... Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais je veux pas le savoir, qu'est-ce que tu fais gros? Bah je voulais faire une vidéo. Mais non mais voilà. C'est pas ton studio, c'est à moi. Qu'est-ce que tu fais gros? Bah Luc Diz. Dégage. Ok, d'accord. Luc Diz de quoi? Y'a pas de Luc Diz, dégage. Allez hop. Dégage, c'est bon. Et tu reviens pas hein. Ouais. Loin. Je compte aller loin. Oui. Oui, attends, sur. Je compte aller loin sur YouTube. Ah, il a trouvé avant que je mime, voilà. Il a c'était trouvé. Prévisible. Eh, c'était prévisible, bah oui. Je compte aller loin sur YouTube. Et ouais, mon pote. Et merci à tous. Ouais, mon pote. On peut applaudir, musique. Attends, c'est bizarre quand même. Attendez. What the fuck? Non, franchement, les amis, c'est franchement. Aïe, je me suis cogné le genou là encore une fois. Ah, la jambe gauche, elle prend cher en ce moment. Donc, c'est un peu bizarre ce truc là. Cette tache blanche qui s'en va d'un coup. Mes amis, j'ai une surprise pour vous. Vous êtes prêts? Roulement de tambour. Voilà. J'ai changé la couleur de mes cheveux, j'ai repris la couleur naturelle, j'espère que vous aimez. Enfin bref, aujourd'hui on est sur Spider-Man, le jeu attendu par le monde entier, qui est enfin sorti, je l'avais précommandé moi, hein. Ne perdons pas de temps et regardons la cinématique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien pour ma part. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, vous m'avez demandé à plusieurs reprises quand qu'est-ce que je ferai une vidéo d'Urbex. Et bien voilà, aujourd'hui c'est le cas. J'ai beaucoup réfléchi en me demandant si je devais bien faire des vidéos de ce genre de temps en temps. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c'était une bonne idée. Sincèrement, croyez-moi, je me suis beaucoup renseigné sur ce genre d'expérience. Sachez-le, je n'y vais pas comme ça. Ça se fait avec de l'apprentissage et voilà. Je vous remercie pour ce genre de demande de vidéo car ça m'a donné envie de faire ce genre d'expérience. J'ai beaucoup apprécié ce moment et je vais vous laisser apprécier ce moment sur cette vidéo. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire une petite règle importante dans ce genre d'expérience d'Urbex. Ne jamais situer l'endroit de votre expérience où vous visitez. S'il vous plaît, respectez la règle. Dans cette vidéo, je ne serai pas seul. Vous partagerez des moments avec moi ainsi qu'avec mon ami Tristan. Ça se jouera
sur deux caméras. Je suis désolé de ne pas montrer mon visage de temps en temps sur certaines scènes, mais c'est parce que je n'ai pas encore le matériel attribué pour ça. J'en suis encore désolé, ça arrivera dans les prochaines aventures. Bonne vidéo à tous, n'ayez pas trop peur. Tu me vois ou pas? Non? Bah c'est normal, connard, parce que je suis pas là. Yo, ça va ou quoi? Bah là tu me vois. Aujourd'hui les amis, nous sommes pas sur un jeu vidéo, mais nous allons parler de mes 7 films préférés. Enfin, je vais vous dire mes 7 films préférés. Yo tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu d'horreur nommé The Evil Within. J'avais envie de faire un petit une petite vidéo sur ce jeu. J'avais déjà joué hein, auparavant, enfin j'ai pas vraiment avancé dans le jeu, qu'à 2% le jeu, même pas. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer avec vous. Du coup je me suis dit bah voilà, donc là je suis au milieu d'une forêt avec un zombie en face de moi qui est en train de se réchauffer devant une cheminée. Un feu de bois. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, non pas de gaming, et oui les amis. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Tristan et de notre ami Robin qui est là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Coucou. Ouais donc voilà. Bah vas-y, on te regarde faire. Voilà, hein, bah alors mets-toi pas devant la caméra. Il a envie de me mettre devant la caméra. Bah du coup on me verra pas. Ah bah c'est vrai. Là j'essaie de mettre un coup de pied en même temps, mais sinon ça ressemble plus à ça. Hein. Vérifier ces tiroirs là, non? Là y'a pas un truc. Quoi, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, expliquez-moi. Pourquoi j'ai juste enlevé un tableau et je suis mort? Il m'a pas vu. Regardez, il est là-bas. Je me tire. Où est-ce qu'il va? Allez, vite. Il m'a entendu. Cours pas. Attendez, il est où là? Tu ne vois pas. Elle est juste là. Yo tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Hell on Eggboard. Vous avez attendu cette deuxième partie avec impatience parce que vous avez kiffé le premier acte de Hell on Eggboard. Donc c'était vraiment éclaté, c'est parti les gens. Ok, donc à partir de là je m'en rappelle. Ok, donc là les amis, rappelez-vous, il y avait un requin. Bah il est toujours là ce requin, il joue toujours. Oh putain, j'ai cru qu'il allait me foncer dessus. Donc on était tombé dedans et on s'était fait niquer, voilà tout simplement. Bonjour à tous, ça va ou quoi? Ouais. Tyler Posey. T'es Posey? Je suis qu'un thug, ouais. Ok, j'ai rien dit. Moi je vous dis sincèrement. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Maddy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, non pas de gaming. Eh oui les amis, parce qu'aujourd'hui c'est une expérience sociale. Non, le matin. En fait j'ai oublié de remettre. En fait, j'ai oublié de remettre le porte-monnaie dans sa poche, du coup, on s'est foiré. On s'en bat les couilles. Ça fait quoi de voler devant des flics? Ça fait du bien. Regardez bien notre tête et qui, pour vous, est le plus a le plus de caractère. C'est bon, quand on te propose mon gars, tu pètes un plomb. I believe I can fly. Yolé. Est-ce que ça va? Ça va ou pas? Voilà ce que je te propose. Seulement nous deux, à un contre un, sans personne d'autre autour. Non, je déconne, c'est pas ma voix. Le jour où j'ai une voix comme Dwayne Johnson, la terre explose. Ouais. Les amis, bonjour à tous. Comment allez-vous dans cette belle période de décembre, donc bientôt Noël? Pour les personnes qui connaissent pas, c'est tout simplement un jeu de football qui se joue en équipe, parce que du foot ça se joue à 11 joueurs, 11 contre 11. Merci Mathis, on ne savait vraiment pas ce que c'était du foot. Donc ce jeu de football a été développé par EA Sports. It's in the game. Ouais, c'était l'accent, voilà. Il me trollait cet enfant, il me trollait. Je m'en fous, on recommence encore une fois. Peut-être qu'en touchant ce maillot, je vais peut-être faire top 1. Vérifions. C'est parti. Ok, je suis chaud là, je suis chaud bouillant. Y'a personne qui va me toucher, parce que moi, je m'en bats les couilles.